Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. C'est votre émission, elle fait la part belle à la solidarité et au vivre ensemble. Nous nous intéresserons ce matin à votre santé. Pardonnez-moi, on peut l'arrêter, désolée parce que...
Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne, votre émission qui fait la part belle à la solidarité et au vivre ensemble. Ce matin, nous nous intéresserons d'abord à votre santé en faisant un zoom sur le mal de tête. Nous l'avons tous connu malheureusement. Comment en venir à bout? Quelle est la différence avec la migraine? Les réponses tout à l'heure avec l'éclairage d'un médecin. Un artiste nous a rejoint aussi ce matin, le chanteur et musicien Tété. Vous connaissez forcément un de ses principaux succès à la faveur de l'automne. Eh bien, il viendra nous présenter en avant-première son 7e album, Fautantique, un vent frais qui va souffler dès le 1er février. Nous évoquerons également la première nuit de la solidarité à Rennes le 27 février. D'ores et déjà, la ville recherche des bénévoles pour aller à la rencontre des sans-abri cette nuit-là et sensibiliser chacun de nous à la grande précarité. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour vivre cette démarche inédite de solidarité. Il sera également question d'habitat participatif, une démarche qui s'ancre de plus en plus dans notre belle région. Une belle région et une jolie langue, le breton, à laquelle Maëlle Le Guenec fait honneur chaque semaine en nous apprenant de nouveaux mots et expressions. Les mots, elle en a quant à elle fait son métier. La Morbihanaise Léonie Place, scribeuse de profession, accompagne les moments forts de notre vie. Une démarche profondément humaine qu'elle viendra nous expliquer. Elle est écrivain public. Sans oublier l'agenda culturel de Sabine Marie-Murg avec une sélection d'événements qu'elle nous présentera ce week-end. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à tous en cette belle matinée. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Vous mettrez, comme chaque jour, votre petit grain de sel tout au long de ces 52 minutes d'émission. Alors on fera un focus sur le mal de tête. Ça vous inspire quoi, ça? Vous en attendez quoi de cette émission? Alors déjà, je tiens à rassurer ceux qui étaient en mal de tété, puisque un album sort, donc ça, pour eux, c'est bon. Pour ceux qui ont le mal de tête, maintenant, évaluons les causes et conséquences du mal de tête. C'est important, je pense qu'il en sera question. Si la conséquence est le mal de tête, par exemple un mal de tête régulier, toutes les semaines, à la même heure, le vendredi matin, la cause, c'est peut-être que vous êtes étudiant et que vous avez fait la fête le jeudi soir. Si votre mal de tête est régulier et vient systématiquement avant des tentatives de coït, eh bien la cause, c'est peut-être un manque de désir et c'est peut-être qu'en fait, il n'y a aucune conséquence, peut-être juste un peu de manque de communication. Et si actuellement, vous avez le mal de tête alors que je vous cause, eh bien c'est peut-être moi le problème. Et du coup, quand on cause, l'important, c'est qu'on sait quand se taire, et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Alors là, vous l'avez compris, hein, ce matin, ce sera sans prise de tête et dans la bonne humeur. Alors le mal de tête, on l'a tous connu, malheureusement, quelle que soit la cause, on appelle cela une céphalée. C'est donc le thème du jour. On va tout de suite faire un petit zoom en image. On va voir ça tout de suite. Le mal de tête, qu'est-ce que c'est? Tout vous prend la tête, ma voix vous agresse, vous êtes sensible à la lumière, les picotements, brûlures ou compressions au niveau de la tête font partie de votre quotidien. Vous souffrez sûrement de céphalées, comme près d'une personne sur deux entre 18 et 65 ans. Elles viennent du crâne et peuvent s'étaler jusque dans la nuque. Généralement, sans gravité, les maux de tête peuvent avoir différentes causes, et parfois les plus improbables. Boire trop froid ou trop rapidement et hop, ça monte à la tête. Oui, je sais, ça fait mal rien que d'y penser. Mais attention, il y a maux de tête et maux de tête. Il existe une classification publiée par la Société internationale des céphalées depuis 1951. Et oui, ça ne rigole pas, écoutez bien. Si vous ressentez une tension au niveau du crâne, liée au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil, à la faim ou à l'abus d'alcool, vous souffrez de céphalées de tension. Si votre mal commence par une douleur près de l'œil, d'un côté de la tête et se répand ensuite, vous êtes migraineux. Les changements hormonaux, les odeurs ou certains aliments comme les vieux fromages, le chocolat et la charcuterie peuvent en être la cause. Elles durent de quelques heures à quelques jours et concernent majoritairement les femmes qui y sont trois fois plus sujettes. L'égalité n'est définitivement pas pour tout de suite. Mais les hommes aussi peuvent avoir mal à la tête. Leur douleur survient souvent la nuit, elle part de l'œil et s'étend sur le visage, toujours du même côté. On appelle ça l'algie vasculaire de la face. Voilà, vous savez maintenant vous situer dans le mal de tête. Le meilleur remède pour le contrer, le calme, la relaxation et même la natation. Bon, bah moi je vais enfiler mon maillot, hein. Bah nous aussi, allez. On verra un petit peu plus tard dans cette émission qu'il y a d'autres remèdes au mal de tête. Le docteur Thierry Labarthe nous donnera quelques conseils. Catherine vous l'a dit, nous étions en mal de tété, eh bien... Voilà, il est là avec nous, on n'est plus en mal de tété puisqu'il est à nos côtés, conteur d'histoire, guitariste hors pair. Bonjour et bienvenue à vous, on est très heureux que vous nous ayez rejoints sur ce plateau ce matin. Oui, d'être là.
Vous sortez un nouvel album, Tété, le 1er février. Ça s'appelle Fautantique. Absolument, vous allez Fautantique. Tout de suite nous traduire ce titre un peu mystérieux. Qu'est-ce que vous allez voulu dire par là? Alors, Fautantique, c'est l'alliage du faux et de l'authentique. C'est le vrai qu'on nous présente comme certifié conforme et comme plus valide que la réalité. C'est vrai que... La vraisemblance plus que le vrai. Ben, le paraître, exactement, plus que le vrai. Et c'est vrai que l'album s'est écrit autour d'une chanson, King Simili, qui raconte l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps. Et par extension, pendant que j'écrivais l'album, en ouvrant le journal le matin, je me disais, mais c'est fou, ça c'est la matière à une chanson, ça c'est la matière à une chanson dans l'actualité, oui. Et voilà, et c'est comme ça un petit peu que s'est écrit l'album, qui finalement aborde un petit peu tous les thèmes du faux tel qu'il s'impose à nous. Vous êtes un peu le témoin d'une époque où le faux, vous pensez, est présent finalement dans tous les domaines de la vie, l'économie, la politique, En fait, j'ai envie de dire l'actualité. Que ce sont des domaines en fait, qui s'invitent tous les jours dans notre salon, qui s'imposent un peu à nous, sur lesquels des fois on a l'impression de ne pas avoir de prise. Et c'est vrai que c'est autant de petites chroniques qui posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Mais finalement, je crois que le défi du présent qu'on vit et de notre futur immédiat, c'est de trouver ensemble des manières différentes de répondre collectivement aux défis qui s'imposent à nous. Alors vous le disiez, il y a des petites chroniques dans cet album, avec des titres quand même très parlants. Rien de ce qui va suivre n'est vrai. Les marchands d'attention, votez pour moi. On l'a compris, ça touche notre société de manière globale. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment contrer ça? Je crois qu'en fait, la réalité, c'est surtout le regard qu'on porte dessus, quelque part. Donc du coup, essayer collectivement de poser un autre regard sur tout ça. Et puis surtout, je crois que c'est un album qui est très mélodieux, avec beaucoup de swing, de groove. Je crois que c'est un album qui prête à danser. Et est-ce que c'est pas ça le rempart à une certaine morosité? C'est d'essayer de s'en amuser. Et ça donne l'impression de reprendre le contrôle un petit peu de son quotidien. Puis je trouve que c'est pas madame qui me contredira, une bonne blague. Non mais voilà, ça fait toujours du bien, c'est quelque chose qu'on peut partager. Et puis je crois que ça va assez bien avec la thématique de l'émission. Parce qu'en plus vous avez même un titre qui s'appelle Plus fort ensemble. Nous c'est ensemble, c'est mieux. Je pense qu'on est sur la même ligne. Vous nous faites un beau cadeau ce matin, Tété, parce que vous allez nous offrir un petit live acoustique avec ce titre justement, King Simili. On vous laisse vous préparer. Hein, je rappelle donc l'album de Tété, Fautantique, 7e album, sortira le 1er février. Et c'est un petit vent frais qui va souffler. Un petit vent frais. Voilà, King Simili, un cadeau que nous offre Tété ce matin, live acoustique. D'aussi loin que je me souvienne, on ne te connaît qu'un talent, une unique rengaine, usurpe, faire semblant, étrange éclipse. Où l'idée du faux-authentique l'emporte en pratique sur le vrai. Tu confesses une vie faite de relectures diverses, l'imposture te disperse, tu simules à crédit, mentir oui, mais broder c'est bien mieux, la pluie n'y voit que du feu. Hey, King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Des histoires presque vraies, courtes ou longues, dans la détonne, des captivantes ouais, au pas, mais ça m'étonne. Spécimen, toi, tes papiers en attestent, tout y est faux comme le reste. Contrefaire ta nature, jamais tu ne dirais où. Renier ta signature serait indigne de nous. Ta fabule, oui, mais toujours à dessein. Ainsi pratique de c'est ça ou rien. Hey, King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. À
mauvaise foi, dit-on, est un modèle d'exposition. Tu ne comptes ton actif que des faits alternatifs. Le jour de ta mort, alors dites, je rêve d'un cercueil en carton avec plaque en plastique où c'est écrit, faites attention. King Simili, je falsifie la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, je mime le signe comme autant des fausseurs de génie. King Simili, tu dis tu mimes la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, tu falsifies la poésie des grands. L'élégance, c'est le débit comme autant des fausseurs de génie. Et si je sais en conclusion les vraies raisons de ton succès, c'est que rien de ce qui précède n'est vrai. Je suis Simili, je vous l'avais dit. Je suis Simili. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tété, pour ce joli cadeau que vous nous avez fait ce matin. Est-ce que finalement, être dans le vrai, c'est être ensemble ? C'est faire des choses ensemble, et on est un bel exemple ce matin parce qu'on va parler de cette thématique-là, justement. Complètement. Je crois que la différence qu'il y a entre le vrai et le faux, c'est l'image qu'on en a. Et en avoir une image globale, confronter celle qu'on a avec celle des autres, je trouve que justement, c'est la faire grandir, cette vision du vrai qu'on a, et c'est la faire grandir ensemble et collectivement, en apprenant des uns des autres. Frédéric Boursier, qui est élu à la ville de Rennes, ne dit pas l'inverse, n'est-ce pas ? C'est un peu le défi aujourd'hui de notre société. Bien sûr. C'est vraiment agréable d'entendre ce type de discours d'un artiste qui est authentique, sincère. Ça fait du bien. Mmh. Merci. Ouais, je viens de recevoir un tweet de Donald Trump qui dit « Ensemble, c'est mieux ». Non. Hashtag fake news. Voilà. Là, on était dans l'ambiance. Il n'est pas d'accord. Et pour être dans le vrai, Tété, vous allez poursuivre votre tweet. Ah, Frédéric, quoi ? Ça pourrait être vrai. Oui, ça pourrait. Lui, il est plus fort que la réalité. Ouais, Tété, vous serez en concert dans notre belle région. Vous serez en concert le 7 mars au cabaret Vauban à Brest. Ouais. Et puis le 8 mars à la Citrouille à Saint-Brieuc. Ouais, ouais. Ça va être des belles dates. Vous connaissez la Bretagne un peu ? Ouais, je suis absolument ravi. Ça fait 20 ans que j'ai la chance de venir tourner en Bretagne. Ouais. C'est une région qui est vraiment particulière pour moi parce que c'est là que j'ai fait tous mes premiers concerts, tous mes premiers festivals. On aime tellement que ça, on vient en vacances avec la famille. Voilà. Puis vous allez où en vacances ? Golfe du Morbihan. Ah ouais. Baden, Van, voilà. On y est bien, quoi. Et surtout, je suis contente de commencer cette tournée par la Bretagne, quoi. Ça fait plaisir. vous nous le rendez bien, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. D'avoir choisi le plateau d'Ensemble, c'est mieux, pour nous présenter votre dernier album, Fautantique, le 7e, qui sortira donc le 1er février. On va maintenant parler de la nuit de la solidarité. Et forcément, ça va vous parler justement avec vous, Frédéric Boursier. Vous êtes adjoint à la mairie de Rennes, délégué à la solidarité et à la cohésion sociale. C'est la première édition à Rennes, mais c'est une initiative qui existe dans de grandes villes comme New York, Los Angeles, Washington, oui. Paris, Athènes. Pourquoi Rennes s'est emparée de cette initiative de solidarité ? Alors d'abord parce que Paris nous l'a demandé. Effectivement, ils ont eu leur première nuit de la solidarité l'an dernier. Et ils ont sollicité les autres grandes villes françaises pour qu'on s'associe à effectivement un mouvement qui est mondial. Les villes américaines le font beaucoup. Mmh. Et ça nous intéressait de mettre finalement le focus sur une action citoyenne, sur un sujet qui est difficile et qui nous dérange parce que les sans-abri, ça nous confronte à des réalités qui sont parfois difficiles à vivre, évidemment, pour celles et ceux qui sont concernés en premier lieu, mais aussi pour l'environnement. Alors, ça va se passer dans la nuit du 27 au 28 février à Rennes. Ça va consister en quoi, concrètement ? Expliquez-nous un peu. Concrètement, on va aller dans chaque rue, dans chaque espace public, pour rencontrer celles et ceux qui vivent à la rue, en début de nuit, voire qui dorment à la rue, et essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là, et éventuellement, évidemment, de trouver des solutions. Peut-être pas dans l'immédiat, mais il y aura après cette nuit une grande séance de débriefing pour qu'on puisse faire mieux, nous, les institutions, les associations qui font déjà beaucoup
sur ces enjeux-là. Voilà, c'est une mobilisation citoyenne, on attend... Alors c'est ça, alors, on pourrait être justement très pragmatique. Hein. Ouais. Vous appelez chacun de nous à se mobiliser, à s'inscrire justement voilà. pour participer à cette nuit de la solidarité et aller aux côtés des associations avec vous. Donc on s'inscrit comment à partir de tout simplement sur le site de la Fabrique citoyenne. Le site internet de la Fabrique citoyenne rennaise. Voilà. J'ai regardé hier matin, il y avait déjà 120 inscrits. On a besoin de 400 personnes si on veut être, avoir une démarche vraiment exhaustive sur tout le territoire, y compris aller en bord de rocade. Vous avez sans doute déjà vu des tentes, on en voit régulièrement, etc. Donc si on veut vraiment aller partout, il faut effectivement une grosse mobilisation. Donc, il sera proposé aux sans-abri de répondre à un questionnaire, hein, absolument. C'est bien ça, qui leur sera soumis. Ça se fera aux côtés des professionnels de l'action sociale. Il faut avoir 18 ans, c'est ça, là ? Ça, voilà. C'est une des conditions, il faut être majeur. Sinon, il faut être accompagné de ses parents. Ou sinon, il faut être accompagné voilà. de ses parents. Et puis, avoir suivi une formation, parce que ça, vous allez... Oui, on va avoir un premier temps à 18h, parce que ce n'est pas forcément facile de se retrouver confronté à des situations individuelles qui peuvent être très différentes les unes des autres. Et donc, il y aura des chefs d'équipe, mais il y aura donc un temps de formation entre 18h et 20h. Et à partir de 21h, nous serons tous sur le terrain. Sur le terrain, d'accord. Les équipes vont être constituées par quartier. Comment vous allez procéder ? Oui, absolument. On aura probablement 6 points de départ. Et puis, donc, à 21h, on s'en va dans les quartiers. Et ça peut durer jusqu'à minuit, 1h du matin, suivant les situations auxquelles on va être confronté. L'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge des personnes en situation d'errance ? Oui, il y a cet objectif d'abord d'avoir une photographie de la réalité du terrain. La deuxième, c'est effectivement de faire mieux à l'issue de cette nuit pour appréhender ces situations qui sont parfois difficiles. Et puis, il y a un troisième objectif, c'est de mobiliser autour de cette thème de la solidarité. Je dis souvent que la solidarité, c'est la fraternité en acte. Ça nous ramène à notre principe républicain. Devant ces situations difficiles, vous avez des réflexes de peur, d'exclusion, de rejet. Il me semble qu'à Rennes et dans l'Ouest, on est plutôt dans la bienveillance et effectivement dans la fraternité. C'est aussi ramener cette valeur et mobiliser autour d'elle, là où on nous parle souvent d'assistana. Voilà. Donc... Finalement, sans doute une belle nuit et on l'espère derrière une capacité à faire mieux pour sortir les gens de la rue. Et on a donc jusqu'au 10 février pour s'inscrire sur le site Fabrique Citoyenne. Absolument. Merci Frédéric. Ça vous inspire quoi, Tété, une initiative comme celle-ci ? Vous connaissiez d'abord la Nuit de la Solidarité ? Alors, je ne connaissais pas la Nuit de la Solidarité, mais ce que ça m'évoque, c'est que ça redonne foi en notre présent, en notre futur proche, parce que finalement, je crois que c'est des choses dont on a besoin. C'est des choses dont on a besoin, et des fois, on a l'impression de ne pas avoir de prise là-dessus. On a l'impression d'un certain repli sur soi de part et d'autre, parce que la peur amène ça. C'est un réflexe humain. Hein, et c'est vrai que ça réchauffe le cœur de voir qu'il y a des initiatives comme ça qui se tissent, qui se nouent, qui se développent. Alors, pour une fois, on est en prise avec la réalité, le vrai, hein, parce que c'est quand même le thème de votre album aussi. Mmh. Et on se sent acteur et utile. Voilà. Ouais. Pierre-Yves Blanc, forcément, ce sont des thématiques qui vous parlent, puisque vous êtes coprésident de Parasol 35. Hein, on le rappelle, c'est une association qui milite pour l'habitat participatif. Et vous êtes engagé également aux côtés de l'association Habitat Participatif Ouest, ainsi qu'au niveau national. Vous-même, vous habitez un habitat participatif. Comment ça a commencé tout ça, dites-moi ? Eh bien, à l'époque, je n'avais pas de cheveux blancs. Ah oui, donc ça fait un petit moment. Et en fait, nous étions quelques parents qui se croisaient dans une crèche parentale. Ouais. Et qui se sont dit, on a besoin de se loger, comment on va faire, est-ce qu'on peut chercher ensemble. Et on a rencontré la ville de Rennes, qui nous a d'ailleurs réservé un terrain sans avantage particulier par rapport à des promoteurs ou autres, mais qui nous a permis de nous lancer à 4 familles pour faire un habitat participatif. À l'époque, on l'appelait habitat autogéré, qui s'appelle La Petite Maison. Qui est à Rennes, pas loin de la rue de Lorient. Ouais. Voilà. C'était en 87, donc c'était il y a longtemps, c'était en 1987. Et voilà, on a mis 40 mois pour, entre la première échange pour se mettre d'accord, faire une charte, voilà, et, puis, voit, ça, c'est la petite maison. Et puis habiter. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez agréable, parce que notamment, on a mis les voitures en bordure,
C'est souvent les grands principes des éco-hameaux, des éco-quartiers, ce qui crée un cœur d'îlot très favorable, notamment aux enfants, puisque notre dynamique de départ, c'était d'avoir un cadre de vie favorable aux enfants. Et ça a même attiré souvent, à la balançoire et autres, ou à la table de ping-pong, tous les enfants du quartier, évidemment, puisque ces initiatives, c'est des initiatives citoyennes. On en parlait, à toute petite échelle, des micro-initiatives citoyennes de proximité, de solidarité entre voisins. On se parle et puis on essaye d'arranger à plusieurs eh bien, ce dont on a besoin. On a une chambre d'amis qui quelquefois reçoit des gens sans abri. Une chambre d'amis commune, vous commune, voulez dire oui, on l'a pas fait dès le départ parce qu'on fait les choses progressivement. Ouais. Mais on avait la possibilité d'avoir une chambre d'amis. On a une petite salle aussi. Donc on a le jardin partagé. Maintenant se lance un petit potager. Je salue ma voisine qui nous encourage à le suivre ainsi que le compost. Et donc, on se parle, on voit quel besoin on a, et puis on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des solutions à plusieurs? Et c'est ça, en fait, le principe de l'habitat participatif, se parler, apprendre les uns des autres, j'ai entendu ça, et puis réaliser concrètement quelque chose qui renouvelle la ville. Parce que souvent, la ville, c'est soit des espaces privés, et on a tendance quelquefois à être un peu trop en retrait, et on dit c'est individualiste, soit c'est l'espace public, et tout est géré par la collectivité, mais elle ne peut pas tout faire. Et quelquefois, on trouve que c'est pas. On vaut mieux le faire à notre façon, parce qu'on a aussi une influence à apporter, des choix à proposer. Donc, c'est une façon, toute simple, de contribuer à la transition écologique et solidaire. Ça prend différentes formes, vous l'avez dit, l'habitat participatif, vous, c'est une forme, mais il y en a plusieurs. Il y a vraiment une multitude de façons de s'engager dans cet habitat participatif. Oui, alors c'est justement ce que nous faisons avec Habitat Participatif Ouest, c'est nous mettons en lien les initiatives à travers l'Ouest qui sont effectivement très diverses. Moi, je connais celles qui sont urbaines, mais il y en a plein en milieu rural, éco-hameaux, des villages qui renaissent parfois, des initiatives en centre-bourg, c'est pas toujours simple, mais c'est souvent très apprécié par les maires ruraux. Et quelquefois, c'est en accession, c'est-à-dire les gens financent eux-mêmes leur logement, avec les prêts classiques, les aides classiques, s'appuient sur des promoteurs, souvent des promoteurs coopératifs, qui comprennent ce type d'initiative à plusieurs. Donc et ça veut dire, pour être très clair, qu'avant même la construction, on décide que cette construction, ce sera un habitat participatif, et donc on fait les choix ensemble, en amont. Oui, les groupes pionniers, c'est souvent ça. Souvent, dès le départ, j'ai signalé pour nous, la petite maison, on a trouvé le terrain, on a trouvé l'architecte, on a géré les choses. Mais en fait, de plus en plus, il y a des opportunités qui sont permises par des villes, par des promoteurs coopératifs, qui préparent toutes sortes de bonnes fées autour du projet, qui préparent les choses et qui permettent aux habitants d'apporter leur influence avant de s'installer. C'est ça, ça ne se fait pas comme ça. C'est un cheminement. Il n'y a pas vraiment de modèle. D'accord. L'essentiel, c'est qu'au moment où les gens s'installent, eh bien, ils puissent être raccord un peu les uns les autres sur la façon de faire vivre l'ensemble de voisinage dans la convivialité, dans la solidarité et aussi dans une attention aux autres. Une forme de non-indifférence dont on se plaint souvent dans la société, sans ingérence, puisque ce ne sont pas des communautés comme on voyait à l'ancienne. Chacun a son logement, mais en plus, on a des espaces, on a des services partagés qu'on n'aurait pas tout seul. D'accord. Alors vous, justement, vous faites des cycles d'information, là, ces prochains samedis. Oui, les 4 samedis. Vous organisez ça, il y a 4 samedis, donc ça se passe à Rennes, à la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Donc le 23 février, le 16 mars, le 6 avril et le 27 avril. Et vous proposez donc dans ces matinées de différentes thématiques pour sensibiliser les citoyens à ce type d'habitat. Voilà, tout ça est sur nos sites internet. On a également mis les informations. Et puis il y a un certain nombre d'initiatives, ça et là. Demain soir à Gauvin, il y a une réunion publique à l'invitation d'habitants de Gauvin qui se disent pourquoi pas lancer ça à Gauvin en ayant un espace pour toutes les générations, y compris de la génération à cheveux blancs, comme la mienne, qui souvent sont assez intéressés parce que effectivement c'est une façon d'éviter l'isolement et puis de trouver des projets de vie dynamique. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'habitat participatif. Frédéric, c'est évidemment quelque chose que vous soutenez, on imagine, à la ville de Rennes. Oui, d'autant que j'ai eu en responsabilité l'aménagement et l'urbanisme sous le mandat de Daniel Delavaux et
j'ai effectivement participé à l'initiation de certains projets sur la ville de Rennes. Qui ont abouti depuis, merci. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je vais m'inscrire à la Nuit de la Solidarité. Ah ben voilà. Voilà, ils changent de bons procédés. Ouais, exactement. Tété, vous seriez tenté par un habitat participatif ? J'habite déjà, dans une certaine manière, dans un habitat participatif. En fait, c'est quelque chose, un projet qui a été lancé avant que j'y arrive, mais où il y a une mise en commun d'un certain nombre de moyens. Vous avez parlé de compost, de choses comme ça. Et puis le tour, enfin, je crois que le futur, c'est aussi la mutualisation des moyens. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est un peu l'optimisation des ressources communes qu'on a versus par opposé à la gabegie, le gaspillage, et puis de se dire que bah, voilà, quand ça ne marchera plus, on le jette et puis on va en acheter un autre. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça a été pris un peu comme une idéologie. Et maintenant, j'ai le sentiment que c'est considéré comme une solution. La solution. C'est du pratique, c'est une pratique sociale, c'est pas des discours. Et voilà. On apprécie beaucoup les musiciens dans les groupes. Vous voyez, le message est passé. Ah bah oui. Mais c'est vrai que je crois que c'est des choses qu'on essaie de porter finalement. C'est des choses qui sont enfin dans le débat public. Finalement, c'est pour ça que je me permettais d'employer le mot idéologie, parce que ça a été réduit à ça pendant longtemps. On disait les écolos, on disait les ceci, les ça, il y avait différents termes. Il y avait des cases, voilà. Et je crois qu'on a enfin compris que ce ne sont pas juste des discours, que c'est vraiment des choses qui nous engagent tous, en fait. Et on a besoin de dynamiser ça et d'éviter, quelquefois, il y a des empêchements dans les textes, parce qu'ils n'ont pas été prévus. Donc il faut aussi, à travers l'évaluation de ce qui existe, avec tous les écueils, eh bien, trouver des façons d'émanciper, de libérer ces initiatives. Parce que c'est à contre-courant jusqu'à ce que ça devienne le courant. Parce que quelque part, on réinvente du bon sens aussi. L'échange des pommes de terre contre des œufs ou des poireaux, il y en avait aussi dans le temps. Et puis, même très juste. Avant, bien avant les cheveux blancs. Bien avant. Mais oui, c'est beau en tout cas. On l'a compris, hein. Ensemble c'est mieux. Voilà, on ne peut pas dire mieux de toute façon. Merci beaucoup Frédéric Boursier d'être venu nous présenter la Nuit de la Solidarité. Merci Pierre-Yves Jean. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous faisons un zoom également sur le mal de tête, cette émission est la vôtre. Vous nous avez posé des questions. Et en ce jeudi matin, c'est Jade qui nous a inspiré le thème du jour. Elle, vous allez l'écouter, on écoute sa question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jade, j'habite à Rennes. J'ai souvent mal à la tête. Certains amis me disent que c'est des simples maux de tête. Certains me disent que c'est des migraines. Et j'aimerais savoir quelle est la différence entre migraines et maux de tête. Merci. Alors Jade, nous allons répondre à votre question. Bien entendu, quelle cause, quel remède? Ce sont des questions que Karl Brozek est allé poser au docteur Thierry Labarthe, qui est médecin généraliste. La réponse tout de suite. Bonjour docteur Labarthe. Bonjour Karl. Alors aujourd'hui, on va parler des maux de tête, des migraines. Alors la question toute bête, toute simple, est-ce que c'est la même chose avoir un mal de tête et avoir une migraine? Je crois qu'il y a un grand fourre-tout qui s'appelle les maux de tête, les céphalées. Et dans ces céphalées, pour un médecin, il y a un organigramme et ça ouvre le champ de plein de choses. La migraine est une des céphalées, mais c'est une maladie extrêmement invalidante qui fait qu'on ne peut pas sortir de son lit, on a la tempe qui bat, la tête qui bat, on vomit, on doit rester allongé quelquefois dans le noir pendant plusieurs heures. Je crois que c'est source d'énormément d'arrêts de travail parce que ces gens ne sont dans l'incapacité d'aller travailler et ça génère effectivement beaucoup de souffrance. Vous dites que la migraine, c'est une maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique? Est-ce qu'on est prédestiné à être migraineux? Alors, la maladie migraineuse est une maladie qui peut toucher effectivement mère, sœur, fils, d'une manière sûrement effectivement génétique. On dit souvent d'ailleurs que c'est héréditaire. C'est vrai ou c'est faux? Alors, il y a un terrain familial indéniable pour certains types de migraines. Et puis, il y en a d'autres où malheureusement, vous avez le droit de faire des migraines avec deux différents types, hein, des migraines digestives, des migraines céphalalgiques qui sont des maladies vasculaires. Alors, voilà pour la migraine. Mais effectivement, tout le monde n'a pas forcément une migraine quand on a un mal de tête. Quelles sont les causes du mal de tête? Est-ce qu'on a réussi à les identifier? Certains diront le petit vin blanc, mais le mal de tête est souvent lié effectivement à une, entre autres, une hyperpression intracrânienne, donc dans des hypertensions artérielles sévères, ce qui est extrêmement rare. Et puis la plupart du temps, ça peut être des céphalées liées tout simplement à un syndrome grippal, syndrome viral. On en voit beaucoup en ce moment, des gens qui ont mal à la tête, qui fuient un peu la lumière parce qu'ils ont 39 de fièvre. Donc c'est une réaction aussi de l'enveloppe liquidienne à l'intérieur du cerveau, le liquide céphalo-rachidien. Et puis moi, ce que je trouve
au quotidien beaucoup, ce sont effectivement tous les troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les céphalées de tension, pas de tension artérielle. Ça, c'est quoi ? Ah, ben écoutez, les tensions musculaires, on voit qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup derrière des ordinateurs et qu'à longueur de journée... Sur le téléphone portable. Le téléphone portable, les écrans, et travaillent avec des douleurs musculaires. Ces contractures génèrent, avec tous les muscles de la tête, des céphalées de tension et qui sont aussi évidemment extrêmement invalidantes, mais qui n'ont pas du tout les mêmes traitements. Alors, le réflexe qu'on a quand on a mal à la tête, le soir, on rentre chez soi, c'est hop, le petit cachet, le petit efferal truc, le petit dafa machin. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se soigner que de systématiquement se bourrer de cachet ? Donc là, vous me demandez une réponse miracle à un problème sûrement de multiples causes. Je pense qu'effectivement, une céphalée banale est connue, où on sait quand on a effectivement trop travaillé, trop conduit, tout fait de l'ordinateur toute la journée, il peut être intéressant de prendre un antalgique, ce qu'on appelle de palier 1, hein, tout simple, dont vous avez cité du paracétamol en l'occurrence. Hein. La plupart du temps, moi je conseille aussi, c'est souvent d'avoir des petites mesures décontracturantes avec des étirements sûrement en fin de journée, quand on a passé 8 heures devant un ordinateur. Donc je rentre chez moi, je m'étire un peu, je me détends et ça peut apaiser la tension intracrânienne. Virgule, et je m'hydrate, parce que souvent on sait très bien que les gens ne s'hydratent pas assez en travaillant et tous ces micro-mouvements de la journée, quand on fait du sport on s'hydrate, mais quand on est à un bureau pendant 8 heures, je pense qu'il est important d'avoir une bouteille d'eau pas loin. De savoir marcher, changer de position aussi, le mouvement. Et puis, j'adresse souvent, moi, mes patients à des orthoptistes qui sont aussi des collègues qui travaillent des rééducateurs de la position des yeux. C'est quand on est beaucoup sur écran, ça peut être aussi des sources de douleurs. Une autre des causes aussi de maux de tête, ce sont les problèmes dentaires. Donc, c'est vrai que ça demande quand même un bilan. Vous avez mal à la tête, je pense que l'important, c'est de le signaler, de faire un bilan, on va dire, de débrouillage et d'essayer d'orienter au mieux vers quelle cause nous pouvons nous pencher sur ces céphalées. Très bien, c'est plus clair comme ça. Merci beaucoup, docteur Labarthe. Merci, Karl. Voilà un éclairage très complet sur cette thématique du mal de tête. Et vous, quelle est votre astuce pour faire passer le mal de tête en dehors d'un traitement médicamenteux ? Eh bien, on vous a posé la question sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Et on a par exemple Audrey qui nous a répondu qu'elle utilisait une pierre au menthol. Elle l'applique sur les tempes et selon elle, c'est idéal pour faire passer le mal de tête. Alors voilà, une petite technique à essayer. Vous nous direz comment ça s'est passé et si ça a marché. La tête, il va en être question encore avec vous, Maëlle Le Guénec, cette fois en breton, et Léonie Place qui nous a rejoint également. Bonjour à vous, vous êtes écrivain public. Bonjour Laurence. Maëlle, la tête alors. Breton, on utilise beaucoup ce mot, comment ça se dit ? En fait, tête se dit peine en peine. Breton, mais peine veut aussi dire le bout, l'extrémité, tout ce qui est en final au bout de quelque chose, la tête, voilà, la tête au bout du corps, voilà. Ça se dit peine. Et en breton, évidemment, le mot peine sert à plein de choses, et particulièrement aux insultes, ce qui est fort drôle. Alors, on peut qualifier aussi bien l'esprit en utilisant peine dans le mot que le physique. Voilà. Et si on commence par l'esprit, on va dire, et là vous allez voir, j'en ai beaucoup pour dire têtu, voyez, attention, tu vois. En breton, on a plusieurs mots, parce qu'il paraît que les bretons sont têtus, il paraît. Donc en breton, on va dire peine carlet, tête dure, peine coate, tête de bois. On dit aussi peine dotu. Alors là, ça va être pour dire tête à claque. Alors dotu en breton, base dotu, c'est la crosse. Ça vient du jeu de crosse. En gros, c'est une tête à prendre des coups de crosse. Peine dotu, c'est une insulte particulièrement du Trégor. Peine teu, la tête épaisse, mais qui veut dire surtout obtus, voilà, qui cherche pas à comprendre. On va parler de tête de baquet, peine baille. Et là, pour le coup, ça veut dire plutôt abruti. On utilise aussi nos amis les animaux. Peine luée pour tête de veau. On parle pas de la recette ici, mais bien d'une personne qui a peu d'esprit. Peine clay, tête gauche, là encore une fois, la tête à claque, ou encore peine chlore, j'aime pas mal, tête de cloche, pour parler de quelqu'un qui est plutôt taciturne, lourde, voilà, comme ça. Ça, c'est tête de cloche. Et puis après, évidemment, vient le physique, et là, vous en doutez, on va être dans l'image, et très maritime, peine boultus. Déjà, alors, ça sonne bien, peine boultus. Ça veut dire tête de baudroie, vous savez. La baudroie, c'est le poisson en entier. On parle de lotte, puisqu'on en général, sur l'étal, on enlève la tête pour de bonnes raisons et se faire traiter de tête de lotte, tête de baudroie. C'est en général pas sympa. Dans le même genre, toujours dans l'eau, il y a peine touille, tête de roussette. Moi, je trouve pas que la roussette soit si moche que ça comparée à la lotte.
Mais voilà, ça marche aussi. Après la mer, on passe dans la terre. Pen chautrette, une tête montée. Chautrette en breton, c'est les légumes quand ils poussent en graines comme ça vers le haut. Donc une pen chautrette, hein, c'est quelqu'un qui est allongé comme ça, très fin, avec une tête tout au bout. Il y a aussi pen garnet. C'est la variante de l'asperge, quoi. C'est l'asperge. Grande asperge. Ou du discroger andouille, celui qui décroche les andouilles, puisqu'il faut être grand en général pour décrocher les andouilles qui sont affumées dans c'est la cheminée. C'est toujours imagé le breton. C'est ça fabuleux. Que Il y en a une pour moi, pen garnet, tête d'ossuaire, qui évidemment parle de chevelures amples et en volume. Citoyante. Voilà, exactement. Ouais, alors, une que j'adore particulièrement, c'est pen peule, qui veut dire tête de poteau. Et en général, c'est forcément pas très, très amical. Et puis, il y a le pen rare, évidemment, la fameuse tête de cul, qui, comme vous l'aurez compris, n'est pas une locution fort agréable. Alors, d'accord. On va parler quand même de la migraine, puisqu'il y a un truc fabuleux à Morlaix. Alors, racontez-nous. L'allée du point de ben. Alors, pen. Ben, il y a une mutation en breton, parce qu'on s'amuse, sinon ce serait trop simple. Le point de ben, c'est le mal de crâne. Il y a bien une école à Morlaix, vous voyez la photo, incroyable. Je ne rigole pas, il y a qui une s'appelle école. L'école du mal de crâne. Alors pourquoi c'est fabuleux. Il existe quand même une anecdote pour comprendre racontez-nous. Ça. Puisque l'école du point de ben prend son nom de la rue où elle est, l'allée du point de ben. Et après avoir fait des petites recherches historiques, n'est-ce pas, au 19e siècle, à Morlaix, il y avait plein de gens qui n'avaient pas de travail. Et donc la mairie avait décidé de lancer des grands travaux dans cette rue qui était à aménager pour faire travailler les gens. Sauf que les gens n'avaient pas forcément envie de travailler. Et vu qu'à l'époque, au 19e siècle, en Bretagne, on parlait breton, ils argumentaient en disant qu'ils avaient mal au crâne, point de ben. D'accord. Et donc c'était coup, l'argument qu'on ne pas aller bosser. C'est vrai, c'est véridique. Cette allée a donc pris le nom de point de ben. Et d'ailleurs, au-delà de l'école, qui peut donner à certains mal au crâne, c'est pas moi qui le dirais, il y a d'autres lieux où on peut attraper de sérieuses migraines, comme le tribunal notamment, qui est juste à côté, ou encore le musée, bien que moi j'apprécie les musées, mais on peut imaginer que certains aient mal au crâne. C'est génial. Vous aimez aimer sur le CV. T'es allé où à l'école C'est fabuleux. Il y a la photo de l'année avec école du point de ben, il y a tous les gamins. Et en plus, c'est une école bilingue. Il parle breton un peu. Ah ouais, en plus, bon, donc il comprend. Mais je suis impressionné, en fait, vous parlez couramment. Oui. Wow. On est quelques-uns, quand même. Hein. La langue bretonne est parlée par... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare. Moi, j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui parle couramment. Eh ben voilà. Et j'ai entendu des gens qui connaissaient des expressions, qui me disaient qu'ils comprenaient leur grand-mère enfant, mais qui ne parlaient pas la langue, pour X raisons. Et c'est pour ça que je dis chapeau. Bah, et vous savez quoi, Tété ? Il peut même traduire votre chanson quasiment. Ah oui, qui est simili ? On l'a fait avec Dame Nature, avec Aldebert. Ah ouais, d'accord. Ouais, on l'a chanté en breton ici, là. Et ça se dit comment, Dame Nature, alors ? Mamdoué, en fait, c'est la terre-mère plutôt. Mais je passerai le texte. Bah, je veux bien, ouais. Voilà, ça marche. Prochain album en breton, au moins un titre en breton. Kinsimili en breton, tiens. Allez, le duo à venir, vous allez voir. Il faut un peu de temps pour traduire quand même. Oui, parce qu'il faut que ça rime, c'est mieux. Allez, merci beaucoup Maëlle pour ces super anecdotes. Léonie, avant de discuter plus longuement avec vous de votre métier d'écrivain public, de scribeuse, on va vous découvrir en action tout de suite avec un reportage qui a été tourné au beau jour. On va vous retrouver. Dans un mariage, le plus dur pour le photographe. Je veux bien vous voir tous lever les bras en l'air. C'est de se faire entendre. Non mais vous, embrassez-vous. Embrassez-vous tous les deux. Léonie Place, elle, n'a pas à donner de la voix. Son travail, c'est tendre l'oreille. Ça va, tu vas pouvoir desserrer le nappe ou... Dans cette noce bretonne près de Quimper, elle va à la rencontre des invités, quitte à s'incruster dans les conversations. C'est votre mari du coup ? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Léonie et je suis présente toute la journée. Vous m'entendez bien ? Oui, non. Pour raconter l'histoire de la journée du mariage. Léonie, son métier, c'est scribeuse. Permettre de comprendre la relation que vous avez. Très affectueuse avec ses grands-parents. Un terme qu'elle a inventé en créant il y a un an son entreprise. Scribeuse, c'est la version revisitée de l'écrivain public. Être présente toute la journée à un mariage, être présente toute la journée à un anniversaire, à une soirée d'entreprise, ça c'est une idée nouvelle que de rendre au final un livre qui remémore cette journée plutôt qu'un album photo, c'est complémentaire. Décrire l'atmosphère de la noce, glaner des anecdotes sur la vie des mariés. La scribeuse noircit ses petits cahiers. Son but ? Écrire un récit de mariage sous forme de livre. Un coût de 2000 euros pour Camille et Clément, les nouveaux époux. Même si ça reste un prix,
on s'est dit, ouais, on c'est le fait pour nous, ça va perdurer dans le temps. C'est Quand notre fille voilà, le lira le dans 10-15 ans, voilà, ce sera différent que des photos. Lorsque la scribeuse se transforme en conteuse, elle s'enferme dans son bureau. Elle relit et réécoute les témoignages de Camille et de ses proches. Léonie s'attelle à la rédaction du livre, qui sera imprimé en un seul et unique exemplaire. La conteuse a trouvé son style. En voici un aperçu, tiré de son premier livre de mariage. Les feuilles du saule pleureur chatouillent les bras dénudés de la mariée. Le manoir insuffle une mélodie féerique à la scène, la mélodie du bonheur. Pour développer son affaire, les mariages ne suffisent pas. Elle écrit aussi la vie des entreprises, marché bien plus rentable. C'est vraiment des objets dont l'entreprise va se servir comme outil marketing, outil de communication. Donc ils ont un véritable budget en fait alloué pour le projet, contrairement à une famille qui va sans doute faire plus d'efforts en fait pour se payer mes services. Léonie adapte donc ses prix. C'est de 2500 à 10 000 euros hors taxes. Et il faut savoir que pour un livre d'entreprise où je m'immerge pendant une semaine en totalité dans l'entreprise, derrière, il y a minimum 2 à 3 mois de travail, minimum. Pour exercer cette profession, il n'y a pas de formation particulière requise. Léonie Place gagne environ 1200 euros par mois en attendant que sa plume prenne son envol. Et la plume de Léonie Place a bien pris son envol puisque, bonjour Léonie, votre société scribeuse, vous l'avez créée il y a 2 ans, il y a presque 2 ans, et ça marche du tonnerre. Oui, ça marche très bien. Votre métier, ça consiste en quoi? Alors vous vous définissez comme rédactrice de contes de fées, c'est joli. Oui, parce que la profession officielle, c'est écrivaine publique ou écrivaine privée, mais oui. Je me reconnaissais pas forcément en fait dans la formule. Pourquoi alors? Parce que j'ai un peu réinventé. En fait, je me suis inspirée de la profession de biographe qui consiste à écrire l'histoire d'une personne ou d'une famille. Mais je ne me suis pas contentée de cette sphère. J'ai aussi contacté des entreprises et je me suis dit pourquoi pas aller au-delà d'une vie, pourquoi pas figer un événement particulier comme peuvent le faire les photographes sur des mariages, sur des journées de famille, lors d'un événement en entreprise. Et je me suis dit c'est super les photos, mais les mots manque également, donc c'est pour ça que rédactrice de contes de fées, déjà c'est le jeu de mots me plaisait, j'aime les mots, et voilà, c'était une manière de personnaliser, de m'approprier la profession. Vous y apportez votre petite touche féminine, votre valeur ajoutée, en fait, c'est ça l'idée. Et des entreprises font aussi appel donc à vos talents littéraires. Ça leur apporte quoi aux entreprises? Les entreprises, en fait, qui font appel à moi, je dirais qu'elles sont peut-être visionnaires. En fait, elles ont compris qu'on pouvait aujourd'hui communiquer différemment, au-delà d'une plaquette commerciale, d'une vidéo, de toutes les nouvelles technologies qui peuvent exister. Raconter son histoire, enfin, c'est quand même être transparent sur ce qui se passe au cœur d'une entreprise. Il y a des humains dans une entreprise. Et c'est aussi, moi, je trouve, une belle manière, en fait, d'intégrer les nouveaux collaborateurs qui arrivent. Leur raconter que voilà, il y a peut-être 30 ans d'histoire, peut-être 10 ans d'histoire et qui s'imprègnent de ces valeurs, c'est à ça que servent les livres que j'écris. Alors vous éditez donc des livres, on peut regarder un peu ce que ça donne. Effectivement, ça se présente de plein de façons. Ce sont presque des livres d'art parfois. Enfin, il y a vraiment cette petite touche artistique. Vous faites du cas par cas en fonction des demandes des entreprises ou des particuliers. C'est sur mesure. Le livre d'entreprise va plus ressembler à un livre classique, alors, traditionnel. Catherine va les montrer. Elle est plus jeune aussi. Merci. Donc ça, c'est plus classique, on va dire. Voilà, exactement. T'es soyeux. Voilà. Et puis pour les livres... Pour les particuliers, grossièrement, il y a 2 gammes, en fait. Il y a le livre d'art, comme vous le disiez. Je travaille avec une relieur d'art qui va façonner l'ouvrage. Donc le livre, les pages sont imprimées en Bretagne, à Guingamp. Mmh. Et l'ouvrage est façonné à la main. C'est de la reliure copte à Cholet. Et elle personnalise tous les ouvrages. Là, c'est un récit de mariage, par exemple. Elle s'est inspirée des couleurs, de l'esprit de la noce. Et après, ça peut être aussi une reliure plus classique, traditionnelle, mais toujours du cousu
solide. Écoutez, donc vous êtes basée à Vannes, et puis pour découvrir votre travail, eh bien on se rend sur votre site internet scribeuse.com. Merci beaucoup de venir nous présenter votre profession à laquelle vous avez apporté un petit supplément d'âme, n'est-ce pas, Tété ? Vous avez déjà fait appel à une écrivaine publique ou un écrivain public ? Vous n'avez pas besoin, vous ? En fait, mes amis imaginaires qui me soufflent des sujets de chansons, mais je trouve que nos métiers ne sont pas si éloignés. Finalement, en fait, vous donnez forme au réel. Et c'est vrai que les mots, c'est un petit peu ça, finalement. C'est donner corps au réel, donner corps aux émotions. Et puis, on est dans le récit. Et je regardais un petit peu le reportage. Et je trouve ça vraiment fort, ce que vous avez fait. C'est vraiment chouette d'apporter un nouveau rapport aux choses, en fait. Ouais, donc, chapeau. C'est gentil, merci. Ah, voilà. Non, mais... On va s'orienter vers le petit supplément d'âme de la semaine culturelle avec Sabine Marimur. Bonjour Sabine, bonjour, vous nous avez rejoint. Vous avez fait une sélection sur les 4 départements bretons. Alors pour ce week-end, on va commencer par l'Ille-et-Vilaine avec un festival qui va nous réchauffer. Oui, c'est le festival Les Hivernales à Tinténiac qui se déroule ce week-end. Un festival donc de musique qui se veut authentique, éclectique, variété des genres, mélange des publics et découvertes. Au programme demain, de la musique à danser avec le groupe nantais Auriaz, du bal breton aussi, mais sur fond de hip-hop et de ragamuffin avec le groupe Beat Boîte Trio. Vous connaissez peut-être de Plou Hermel ? Non. Je connais Plou Hermel très bien. Mais... donc répertoire aussi New Soul samedi avec la chanteuse pleine d'énergie, Eman, qui est rennaise et qui s'est lancée après une carrière de soliste et de choriste dans un projet gospel électro. On l'écoute. Voici un extrait donc, d'Eman. Quelle énergie, waouh, ça déménage. Ouais. Une super voix aussi, elle a une pêche. Donc elle passera samedi en concert à Tinténiac. À Tinténiac. Mmh. Allez, on part maintenant dans le Morbihan avec une exposition insolite à découvrir. Le Morbihan, cher ATT. Absolument. Voilà, et c'est golf à Lorient. Cher à mon cœur. À Lorient, alors. Et voilà, et cette exposition s'appelle Ici Nori. Donc c'est derrière ce nom Ici Nori se cachent deux artistes, Raphaël Urviller et Mayumi Otero. Passionnés par l'imagerie populaire, les estampes et le dessin contemporain, ces deux artistes travaillent pour la presse, notamment pour Le Monde, Les Inrock, et aussi pour l'édition avec des albums pour enfants, albums jeunesse. Ils présentent donc les multiples facettes de leur travail à la galerie Faouédic, qui est une galerie qui est au cœur de Lorient, une galerie municipale. Et leur travail autour de l'objet livre, comme le pop-up, l'illustration. Un univers très singulier, des dessins d'une grande précision. C'est très onirique, ça réveille vraiment notre imagination. Et donc, c'est une galerie qui est également ouverte aux étudiants, aux scolaires, donc des étudiants de l'ESSA, École européenne supérieure des beaux-arts, participe à cette exposition suite à un atelier animé par ces deux artistes. Cette galerie est aussi donc très engagée dans une démarche de sensibilisation artistique et elle vous donne rendez-vous mardi et samedi pour des visites commentées. Et il y a aussi un concert de cuivre organisé par le Conservatoire de Lorient ce dimanche à 15h. Parfait, on a tout noté. Allez, dans le Finistère, on rentre dans le monde de la science-fiction. Ça intrigue. Il va se passer quoi ? Alors, c'est un grand temps fort qui démarre ce jeudi à Fouesnant, l'événement Homme-Machine, organisé par la médiathèque L'Archipel. Donc, les machines vont-elles remplacer l'homme ? Faut-il avoir peur des robots ? La question du transhumanisme. Tous ces sujets sensibles aujourd'hui sont abordés jusqu'à dimanche sous forme de débats, de rencontres, de conférences, d'ateliers. Alors, ateliers, par exemple, sur de l'impression 3D, de la musique assistée par ordinateur, jeux de vidéo. Des spectacles aussi, vous pouvez voir, notamment ce spectacle aussi très intrigant, Soft Love, de la compagnie Claire Obscure. C'est du théâtre numérique cette compagnie. Une comédienne et une intelligence artificielle donc sont réunies sur ce plateau. Je vous propose de regarder aussi un extrait de Soft Love. Je la vois maintenant face à moi, son miroir. Elle nettoie son visage à grande eau froide, se fixe. Son regard en regard de mon regard, j'observe son air de tristesse de niveau 3 sur 5. Le même exactement que celui de la semaine précédente.
peu d'assistance. Alors pardon, j'avais inventé le concept de la comédienne à intelligence artificielle depuis très longtemps. Hashtag fake news encore, mais c'est très beau, c'est très beau. Allez, dans les Côtes d'Armor maintenant, on termine avec Cécile Sabine. On va se faire tout petit puisque le temps est à l'enfance. Voilà, exactement. Alors les enfants sont à l'honneur à Saint-Brieuc jusqu'au 9 février avec le Festival de l'enfance organisé par la ville et l'UNICEF. Place aux enfants, c'est le temps fort de cette édition samedi au Palais des Congrès. La manifestation donc met en valeur tous les jeunes talents à travers des spectacles, chorale, danse, orchestre, animation gratuite. Hein, tout le monde est invité. Animation gratuite destinée aux familles, l'occasion de mettre en avant toutes les initiatives quotidiennes des secteurs municipaux et associatifs. Et demain, toujours dans le cadre de ce festival, place à la magie avec un très beau spectacle, The Elephant in the Room. C'est l'histoire donc de quatre acrobates du cirque Roux. On a le temps de voir peut-être un petit extrait de ce cirque. Sympa, super, vraiment chouette, c'est très beau. Merci beaucoup Sabine pour cette sélection culturelle. Tété, vous avez fait votre marché, vous irez où? Moi je vais aller voir le cirque Roux. Aller voir le cirque Roux parce que, en fait on a vu les images tout à l'heure, je pensais que c'était une bande démo, donc je viens de demander à madame le nom. Et après c'est vrai qu'on a, quand on a des enfants en bas âge, on est toujours curieux de voilà des bonnes choses qu'on peut les emmener voir et puis qui vont pas faire le cauchemar. Alors nous on a choisi de vous entendre à nouveau en fait. Oui. Et puis peut-être que en plus comme vous avez lancé un petit défi à Maëlle, j'ai comme l'impression qu'il l'a relevé dites donc, parce que c'est un peu son genre. Excellent. Un petit peu de place. Excellent. Mais faut qu'on teste. Attention, il faut qu'on bosse la prononciation. Donc, King Simili, Aubert Van Van. Est-ce que ça passe au niveau des ça ferait. King Simili, Aubert Van Van. Van. Aubert Van Van. Ça marche? La modestie, le doute. L'intelligence, le talent. Déjà, on va juste faire cette phrase. Ouais, ça marchera. Ok. Un. King Simili, Aubert Van Van. La modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, Robert Randban. La poésie des grands, l'élégance et le dépit. Comme autant des faussaires de génie. Merci d'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Et m'avoir appris quelques mots. Et puis des jolis, hein. Bah oui. Aubert Van Van, Trubard d'Iran. Ça fait facile, ça. Ok, et Trubard d'Iran, ça veut dire quoi? Ça veut dire je trahis. Ah bah non. Si, mais quand on fait semblant, on trahit. Bah. Parce qu'il y a une phrase qui dit en breton, traduire c'est trahir. Trahi à Zotrubardi. Ouais, bon, moi je suis assez roublard, j'aime bien faire des blagues à mes copains. Mais je les trahis pas, quoi, c'est parce que je les aime bien. Bon, on trahit le mot, en fait. Alors, comment est-ce qu'on dit mais vous avez raison. Donc, Aubert Van Van. Trubard d'Iran. Trubard d'Iran. Ok, c'est pas mal. Aubert Van Van, Trubard d'Iran. La modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Aubert Van Van, Trubard d'Iran. La poésie des grands, l'élégance et le débit. Comme autant des faussaires de génie. Merci à tous. Bon, merci à jeudi autour du thème des droits de succession. Ah, bah, lundi. À lundi. Je sais plus, bref, belle journée.